Et salut YouTube! Grâce à l'événement Halloween qui a débarqué sur Warzone 2, Activision nous a régalé avec un camouflage animé qu'on peut mettre sur toutes les armes. Il est plutôt simple à récupérer puisqu'il s'agit de looter des âmes sur les adversaires et dans les coffres. Il faut savoir que ce camouflage pourra être aussi récupéré sur MW3 et Warzone 3 qui sortiront en fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller le tryhard. Je vais vous montrer comment le débloquer au plus vite et je vais vous montrer aussi la méta que j'utilise en ce moment qui est très très forte. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit pouce bleu si le contenu vous a aidé, un petit follow comme ci-dessus, et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors la méthode la plus rapide consiste à se rendre à Zaya Observatory dans le mode Zombie Royal Trio, et d'aller chercher les caisses orange et grise qui contiennent une âme. Ne vous embêtez pas avec les caisses bleues puisqu'elles n'en contiennent pas. Le but étant d'en trouver 25, et une fois que vous les avez, vous pouvez quitter le jeu. Donc ça, vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez jusqu'à avoir les 1000 âmes pour débloquer le camouflage secret. Donc nous voilà sur la map d'Almazra de nuit en mode trio zombie royal. Donc vous voyez que Zaya Observatory est dans le gaz et c'est exactement ce qui nous intéresse puisqu'on va aller looter en étant un zombie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'écraser directement à proximité de Zaya. Ça va nous permettre de revenir en étant un zombie. Donc vous allez voir, je vais directement aller à la fin de l'avion qui est à proximité de Zaya. Si vous avez l'occasion, essayez de suivre un adversaire qui va faire la même méthode, puisque la méthode commence à être répandue, pour essayer d'aller récupérer ses 3 âmes. Lorsqu'il va s'écraser, l'adversaire va lâcher 3 âmes au sol, ça fera toujours 3 âmes de plus. Donc si vous n'êtes pas mort du gaz ou de la chute, vous pouvez récupérer les 3 âmes. Et c'est toujours ça de gagner pour grind encore plus vite. Donc là vous avez vu, je ping exprès le joueur. Malheureusement je n'ai pas eu le temps d'aller chercher ses âmes. Donc me voici en zombie. Je me rapproche au plus près de Zaya. J'ai pingé les 3 entrées sur la carte. Vous pouvez revenir sur la vidéo si vous avez besoin de voir où sont les 3 entrées. Vous en avez une à droite, une en plein centre de Zaya devant le shop, et une à gauche dans le tunnel. Donc là je vais essayer de retourner sur les âmes de mon cadavre. Ça ne sert à rien de les ramasser, celles de votre cadavre, parce qu'elles ne vous donnent pas d'âmes. Mais celles de l'adversaire, oui. Donc là, je retrouve les 3 âmes. Malheureusement, elles despawnent juste devant moi, ainsi que celles de mon adversaire. Donc je n'ai plus qu'à me rendre dans le trou. Donc une fois dans le trou, je vais directement descendre dans les escaliers, puisque c'est en bas où il y a le plus de caisses orange. Donc vous entendez, il y a quelques joueurs qui sont en train de faire la même chose, mais je vais quand même réussir à enchaîner les caisses malgré tout, puisque je connais bien la zone. Donc voici déjà une première âme, une deuxième, vous allez voir que ça va très vite, une troisième, une quatrième ici. Vous allez voir que ça va très vite à enchaîner, des caisses oranges, il y en a vraiment partout au niveau de ce bâtiment. On continue à aller au plus vite. Donc là j'ai vu que c'était déjà ouvert, donc je me change de zone. Ça n'empêche pas, c'est pas parce que quelqu'un est en train de le faire que vous pouvez pas grind. Ici vous avez un petit passage en étant allongé qui vous amène sur d'autres caisses oranges. Donc n'hésitez pas à l'emprunter, peu de gens le connaissent, donc il reste toujours quelques caisses oranges qui ne sont pas prises par les adversaires. Donc là vous voyez j'ai déjà 7 âmes, voici la 8ème et la 9ème. Vous voyez qu'il y a un zombie qui est arrivé en même temps au même endroit que moi. Donc là le but c'est d'aller vraiment trouver les caisses. Avec un peu de chance vous tombez dans une game où personne va faire cette espèce d'astuce. Mais malheureusement c'est compliqué. Là vous voyez il y a 2 zombies avec moi. Donc je décide de changer de zone. Là j'ai entendu, vous avez vu, j'ai entendu que l'adversaire avait déconnecté. Donc il s'est dit qu'il n'y avait plus d'âmes. Et ça veut dire que j'ai eu 3 âmes supplémentaires puisqu'il a quitté la game. Le jeu a considéré qu'il était mort. Vous embêtez pas donc avec les coffres bleus puisqu'ils ne donnent pas d'âmes. Et là j'ai décidé de descendre en bas du tunnel pour récupérer les caisses du bas, car elles sont pas toujours faites non plus. Donc là vous allez voir que je vais trouver des âmes supplémentaires ici. Donc on est à 12, maintenant à 13. Voici la 13ème. Nous voilà sur la 14. Ensuite la 15. La 16. Puis la 17. Et ensuite, une fois que vous avez looté toute cette zone, eh bien, vous continuez à looter les bâtiments. Vous avez la capacité, quand vous êtes en zombie, de vous déplacer très vite avec le super saut. Donc le saut chargé, n'hésitez pas. Là, vous avez vu, dans le bâtiment, j'ai encore 2 âmes supplémentaires. Donc je suis déjà à 19 et je continue à sauter. Donc là, je vais accélérer le loot des bâtiments.
parce qu'il y a un petit peu moins de caisses. Donc là, je vous invite à mettre votre casque à fond, à essayer d'écouter les caisses. Malheureusement, dans les petits bâtiments, il y a beaucoup de caisses bleues. Mais si vous voulez aller au plus vite, vous quittez directement et vous retournez dans Zaya. Mais moi, il me manquait pas beaucoup de dames pour débloquer le camouflage. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout sur cette game-là. Et on va se retrouver ensuite dans le menu au moment où j'ai débloqué le camouflage. Donc voilà, la mission terminée. Je quitte la partie. Je me retrouve ensuite directement dans le menu. Donc on va aller dans l'onglet tourment. On voit que j'ai 1015 âmes. Donc là, je clique sur l'onglet tourment. J'ai suffisamment d'âmes pour débloquer le camouflage ghoul qui en coûte 1000. Et voilà, le camouflage tant recherché qui est débloqué. Maintenant, on va aller dans l'attirail pour vous montrer la classe méta que j'utilise en ce moment et le camouflage sur ces armes-là. Et voici donc la classe que j'utilise en ce moment avec la ISO 9 mm et la M4. Donc j'utilise en tactique une fumigène, un couteau de lancer en mortel. Et surtout dans les atouts, j'utilise œil de lynx à la place de fantôme et alerte maximale, qui est un atout très très fort en ce moment. Donc sur ma classe 9 mm, on a le réducteur de flash spirale 3.5 ajusté en moins 0.19 sur la visée accélérée, plus 25 sur le contrôle du recul. On a le canon usine ISO 45 avec la stabilité en plus 0.39 et la visée accélérée en moins 0.15. Ensuite, on a le VLK LZR en laser avec un ajustement à moins 0.23 sur la vitesse de transition du sprint au tir et moins 23 sur la visée accélérée. J'ai décidé de mettre le Cronon Mini Pro, mais vous pouvez utiliser le Slim Pro également. Il est ajusté en moins 2.03 et en plus 2.25 au niveau de l'œil proche. Et on a le chargeur à tambour de 50 cartouches. Ensuite, sur la M4, on se retrouve avec le chargeur de 60 cartouches, le FTAC Reaper 56, on a le Harbinger D20 en ajustement recul faible plus 1.40, contrôle de l'oscillation du viseur moins 1. Ensuite, on a le canon Hightower 20 pouces avec moins 0.18 en vitesse de marche en visant et plus 0.40 sur la portée des dégâts. Et on a le viseur AIMOP V4, le classique, en moins 1.65 sur la visée accélérée et plus 1.63 sur la position de l'œil. Donc on va aller tester ces deux armes au stand de tir. Donc la M4, regardez cette dinguerie. Elle est juste incroyable cette M4. Je vous conseille de l'essayer, vous allez vite kiffer. Si vous êtes en plus comme moi en clavier souris, c'est vraiment un laser. Et ensuite, voici la petite ISO. Très très bon support sniper avec son laser, vous voyez. Elle peut même aller jouer, regardez le bonhomme du coin. On peut aller le jouer. C'est moins facile, mais on peut quand même aller le jouer. Par contre, au niveau mobilité et au niveau déplacement, je vous assure que cette ISO est vraiment dans la méta. Donc ensuite, on va aller tester sur ces deux armes le nouveau camouflage qu'on vient juste de débloquer. Donc le camouflage va se trouver dans les événements. Et le voici. Il donne super bien sur la M4, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des combinaisons sur les armes que vous voulez voir. Oh là 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 là, dans le menu, elle est magnifique. Ensuite, on va regarder sur la ISO. On va également rajouter le camouflage sur la ISO. Et voilà la ISO qui a une petite fumée verte. Allons tester tout ça au stand de tir. Voici la ISO avec le camouflage. Et voici la M4. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le camouflage est même plus joli que l'Orion. J'aime beaucoup le polyatomique sur cette saison. Et par contre, je trouve que l'Orion est pas très réussi. Et celui-ci, ça permet de redorer. N'oubliez pas d'ailleurs que ces camos seront également disponibles sur MW3 dès sa sortie. Et sur le nouveau Warzone également. J'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à bientôt. Et salut, t'es encore là? Ça veut dire que le contenu de la vidéo t'a plu? N'hésite pas à venir nous donner de la force sur nos autres réseaux, tu les trouveras tous dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine vidéo.
Ciao.